C'est président République là qui coupé riban bâtiment tout neuf centre formation professionnelle et technique Jacques Mel. Centre ça qui chita kounia dans localité Boabé zone Cap Lamandou existait depuis 1926, ça qui fait 92 l'année mais qui est écrasé dans tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Décision pour reconstruire centre Jacques Mel là prend depuis novembre 2015. Qui donc, après trois l'année, c'est un véritable événement qui doit marquer l'histoire, selon déclaration magistrat Villa, M. Maki Kessa. D'après magistrat, Jacques Mel gagne une plus bon et plus belle école professionnelle dans le pays. M. Kessa mandé prend soin bâtiment et équipement pour génération Capvinio capable de bénéficier. Cette cérémonie, qui se veut simple, mais combien importante par son symbolisme et sa signification, se déroule au moment où l'État haïtien s'implique avec la détermination du président de la République. Son Excellence, votre présence ce matin à cette inauguration, en dépit de vos nombreuses obligations, témoigne une fois de plus de votre intérêt pour la cause de l'éducation, la priorité des priorités. Car l'implantation d'écoles professionnelles de qualité traduit l'effort et la volonté de votre gouvernement à former des jeunes professionnels capable de contribuer au développement du pays. Désormais, chers apprenants, chers professeurs, vous avez les outils nécessaires pour répondre aux exigences pédagogiques et dans une large mesure académique. Prenez grand soin de ces investissements en vue de faciliter la tâche à la postérité et à l'État. Finissement construction et puis mettez équipement dans bâtiment tout neuf centre formation professionnelle et technique Jacques Mel là, c'est résultat mariage de banques. C'est Banque Interaméricaine Développement BID qui finance ces constructions. Hein? L'écouter plus passer 3 millions de dollars américains à Banque Caraïbéen Développement BCD qui finançait matériel centre pour plus passer 2 millions de dollars américains. Pour M. Vladimir Mathieu, qui tape le discours représentant président Bidla dans le pays qui pas de cas présent, reconstruction centre répond à un grand besoin de formation parce que d'après chiffre INFP Météo, nous manquons bon gens centre formation pour accueillir pile quantité de jeunes qui ont demandé à prendre métier. M. Mathieu rappelait, à côté finissement construction centre-là, BID aide Institut national formation professionnelle dans un pile l'autre niveau pour lever qualité formation qu'a bail là. Les fonds alloués à la formation professionnelle dans le cadre de ce programme ont été utilisés pour financer l'élaboration et la mise en œuvre de politiques nationales de formation professionnelle, le développement de programmes de formation visant à répondre à la demande des secteurs clés de l'économie haïtienne, le développement et la mise en œuvre de modèles de gestion innovants dans les centres de formation et la construction, réhabilitation, équipement de centres techniques et professionnels à travers le pays. Le coût total de la construction et l'équipement de ce centre de formation s'élève à environ 6 millions de dollars. Il comprend, en plus des bâtiments administratifs et des bâtiments de services, 8 ateliers dotés d'équipements et de matériel de travail moderne pouvant assurer que les jeunes soient mis dans les conditions d'apprentissage favorables au développement de leur potentiel. La construction de ce centre, mesdames et messieurs, répond à un besoin évident et urgent d'améliorer l'accès à la formation professionnelle en Haïti et dans ce département en particulier. En effet, les statistiques de l'INFP ont montré qu'il y a très peu de centres de formation technique qui sont accrédités dans cette région du pays. Et nous espérons que ce centre
pourra être utilisée au maximum pour donner aux plus de jeunes que possible l'opportunité d'acquérir les compétences nécessaires pour assurer leur avenir et contribuer au développement du pays. Bon côté Pali, directeur projet dans Banque Caraïbéenne Développement, rappelé Centre Formation Professionnelle et Technique Jacques Mella fait partie 3 centres au total Banque la financée. Jacques Mel, Jérémy ak Okap. Monsieur Daniel Best, félicité gouvernement haïtien pour tête li bouclé première phase programme formation professionnelle. Directeur assuré, BCD a continué à appuyer et stratégie nationale formation professionnelle. Monsieur Best annoncé engagement Banque Caraïbe pour développement qui fait approuver plus passer 17 millions de dollars américains pour éducation et puis construction bientôt centre formation Saint-Martin dans Port-au-Prince à continuer dans phase 2 à Saint-Jacques Mella équipé sac haïtien avec Jérémy. La CDB se félicite en effet et félicite chaleureusement le gouvernement de la République d'Haïti, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et l'ensemble de l'équipe qui a participé à cette magnifique réalisation. Il est en effet très gratifiant pour nous tous de voir l'achèvement de la phase 1 de ce centre de formation professionnelle. Ce centre de formation professionnelle de Jacques Mel est l'un des 3 centres de formation professionnelle dans le cadre duquel la CDB, en partenariat avec la Banque interaméricaine de développement et l'État haïtien, a fourni un financement pour la construction et l'équipement. Avec 8 ateliers qui t'a dû permettre étudiants yo apprendre 30 métiers, Saint-Jacques Mella fait partie presque 10 centres gouvernement a construit ou bien reconstruit dans tout département yo. Directrice Institut National Formation Professionnelle là, non intervention, déclaré inaugurer 2 centres formation professionnelle dans espace yon semaine, c'est vraiment yon signe espoir pour jeunesse là. Madame Maggie Durcé rappelé jeunesse là gen droit à toute attention. Tout bon politique gouvernement yo a mette sous pied pour yo. Directrice générale là profite remercier 2 banques yo, BID ak BCD pour financement yo ak tout l'autre acteur qui participait dans réalisation travail ça. Inaugurer 2 centres professionnels en l'espace d'une semaine, l'un vendredi dernier au Trou du Nord et l'autre aujourd'hui ici, est sans conteste un signe visible qui ne peut augurer que de l'espoir et du beau temps. L'espoir d'une ère nouvelle où les aspirations les plus profondes de toute une population trouvent enfin un terreau fertile pour prendre forme. Espoir de changement dans les conditions de vie. Espoir de pouvoir se construire un meilleur lendemain. Espoir enfin de voir émerger et s'imposer une Haïti qui s'engage sans détour à ouvrir à sa jeunesse les voies salutaires d'une relève réussie. Jacques Mélien, Jacques Mélienne, mesdames, messieurs, aujourd'hui, tout observateur honnête et impartial s'accordera sans peine à reconnaître que c'est vers cet Haïti responsable et éprise de justice sociale et décidé à avancer sur les voies du progrès que nous conduit le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Les preuves sont là, elles sont palpables et ce centre professionnel que nous inaugurons aujourd'hui ne l'illustre que trop bien. Partout sur le territoire s'élèvent dans le paysage national des centres professionnels modernes destinés à tracer un chemin d'avenir à une jeunesse haïtienne trop souvent et trop longtemps livrée à elle-même. La jeunesse haïtienne a droit à toutes les attentions et mérite d'être l'objet de politiques gouvernementales porteuses de bien-être, de loisirs sains et d'emplois capables de mettre à profit son talent, son énergie, ses ressources et son esprit créatif. L'État se doit d'investir dans nos jeunes,
afin d'en faire des citoyens épanouis au service de la nation. Ces bâtiments que vous regardez et admirez aujourd'hui sont l'œuvre de deux agences, la Banque caraïbéenne de développement, BCD, qui a financé les infrastructures, comme vous aviez entendu, à la hauteur de 3 832 865 dollars et 48 centimes. Et la BCD qui a fourni les matériels et équipements à près de 2,4 million 303 008 dollars, ce qui fait un montant de 6 234 588 dollars 56. Je les remercie de tout cœur. Comment ne pas remercier les groupes Tram en la personne d'une femme, l'ingénieure architecte Elisabeth Kouakou, qui a pu mettre en pratique tout son savoir-faire pour vous remettre des bâtiments répondant aux normes et standards internationaux. Comment aussi, de tout cœur, ne pas dire merci à la firme de supervision We Architect, qui a représenté les yeux de l'INFP auprès de la construction. C'est ce que fait l'administration au pouvoir en implantant un centre professionnel moderne dans chaque département. Et c'est ce que fait l'INFP en s'appliquant à faire de ces centres des instruments au service des jeunes et du développement national. Je me dois de réitérer mon ferme engagement par le biais de l'INFP au nom du ministre de l'Éducation nationale de veiller sur la bonne gestion de ce centre professionnel ainsi que sur la qualité de la formation qui y sera dispensée. Car sans cesse, il nous faut nous appliquer à élever le système national de formation professionnelle à la dimension des défis du moment en vue d'accélérer l'insertion professionnelle de nos jeunes et de les aider à devenir ainsi ces adultes responsables qui enfanteront les nouvelles générations de nos dirigeants et cadres de demain. Président République l'a souligné importance jeunesse là dans avenir pays. Monsieur Jovenel Moïse dit, c'est pour ça qu'il prend engagement pour construire un centre de formation professionnelle dans chaque département. Dans ce sens, le président rappelé qu'il détermine jouk nan bout pour chaque jeune joindre un centre pour apprendre un métier. La jeunesse est la clé de la réussite de notre avenir. Nous l'avons bien compris. Et c'est pour la mettre en confiance, lui offrir toutes les possibilités de se doter d'un métier et de réussir son avenir que nous avons pris l'initiative d'implanter dans chaque département une école professionnelle de qualité dont les standards de formation répondent aux exigences des marchés régionaux et mondiaux. C'est ainsi que nous pourrons nous élever à la dimension des défis de notre temps. Et ce n'est que par cette voie que nous aurons la satisfaction d'avoir accompli un bond en avant sur le chemin de l'instauration de l'Haïti rénovée que j'ai pris l'engagement d'édifier. Nous sommes bien conscients que dans notre système de formation professionnelle, les défis restent immenses et le chemin à parcourir encore bien long. Mais notre détermination ne faillira. Elle ne faillira pas et rien ne peut nous arrêter tant qu'il ne sera pas possible d'offrir à nos jeunes, partout sur le territoire, l'opportunité d'apprendre un métier conforme à leurs aspirations et de prendre ainsi leur avenir en main dans le respect et la dignité. Il n'y a pas de chômeur sans métier. On dit qu'il y a beaucoup de chômeurs en Haïti, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens sans métier dans le pays. Nous devons travailler pour donner un métier à chaque jeune haïtienne et chaque jeune haïtien. Mesdames, messieurs, notre population aujourd'hui nous observe et légitimement espère avec une grande confiance qu'à partir de cette présidence, le pays s'engagera dans un cycle continu et irréversible de croissance économique et de progrès et de saine gouvernance.
Notre réussite est liée à notre capacité d'entretenir, d'offrir à notre jeunesse les opportunités qui l'incite à rester attaché à sa terre natale et à se doter d'un métier qui l'habilite à participer activement de l'effort national pour une Haïti forte, attractive et généreuse pour tous ses filles et fils. N'a pas rappelé, dans l'occasion de l'inauguration du bâtiment tout neuf, centre formation professionnelle Jacques Mella, président République là, Teguin Bokoteli, président Assemblée nationale là, Younan Sénateur Sides là, député Ville Jacques Mella, inspecteur général police nationale là, directrice générale INFPA, directeur projet BCDA, et plusieurs autres personnalités dans le département. Inauguration ça a bouclé première phase yon projet qui gagne deux phases là-dedans et qui pral démarrer tout de suite. Principal objectif nous c'est améliorer le futur pour timoun yo k'ap vinn derrière, on dit pour système éducatif là en général. Et pour nous faire ça, nous gagne intention passer par trois objectifs secondaires qui c'est partager, qui c'est créer un réseau de partage. C'est dans l'idée pour nous mettre ensemble autour d'un même table. En pile monde qui a fait en pile action dans le système éducatif haïtien, mettez autour d'un même table et ouais dans quelle mesure ensemble nous capables de faire un bagage. Parce que nous voulons dire ça et moi pas de prétention qu'a fait rien pour contre lui. Et nous tellement conscients que nous pas qu'a fait rien pour contre nous que nous tendons le bras, nous faisons appel à un pilote acteur capable avec nous. Dans la première édition, malheureusement, le temps et l'espace ne permettent pas de prendre tout le monde, mais les autres éditions permettent de toucher d'autres mondes encore. Alors, donc, l'espace permet de créer un réseau de mondes, ressources, qui sont capables de produire des solutions pour adresser différents problèmes qui gagnent dans le système. Sommet a un objectif tout, informer. Informer en ce sens que grand pile acteur sur le terrain. En pile acteur sur le terrain qui a n'a bon pas eu travail. Pourtant, il n'y a pas eu. Mais avec EdTech 2018, n'a pas capable de prendre moun sa yo, mettre yo sur les devant de la scène, mettre projecteur sur yo et permettre que éventuel moun qui est intéressé à des solutions qui sont capables de porter, yo et garder dans quelle mesure nous capables d'utiliser pour améliorer le système éducatif haïtien. Troisième objectif secondaire, nous, collaborer. Nous jouons des mouns qui, pendant de lancer sommet, dit tiens, ça n'a pas fait à intéresser, parce que moi, qui travaille, pas m'a fait un bon pas, je suis capable de complémenter le rapport là, pour que ça ne pas à fond bagarre ensemble. Donc, nous avons des acteurs comme ça, nous avons envisagé pour nous travailler ensemble avec lui, parce que nous croyons ça, et moi, pas qu'à faire rien pour contre lui, et moi, qu'à faire uniquement si tout le monde est impliqué. Lundi, dit tout le monde, nous parlons de parents, nous parlons des professeurs, nous parlons des étudiants, des élèves, et des administrateurs d'école et même les acteurs, les décideurs du système éducatif haïtien. Après validation et présentation officielle document yo dans hôtel Montana département l'Ouest, direction formation et perfectionnement lancé campagne vulgarisation document dans divers départements pays. Pour kounia, document politique national formation enseignant et personnel encadrement yo déjà présenté dans 4 départements qui formaient région Grand Sud là, Tankou, Grand'Anse, Nip, Sud et Sud-Est. Semaine passée a, c'était tout pas département Nord et Nord-Est pour assister présentation document. Dans le lycée Philippe Guerrier dans Ville au Cap, consultant pour l'Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, M. Jean-Michel Charles, présenté contexte réalisation de documents qui joignent bourade UNESCO dans la campagne. Dans les années 80, j'ai constaté que dans le monde, que faut que le pays ait changé le système éducatif. Et il y a des systèmes éducatifs qui étaient centrés sur enseignants. Ces enseignants ont fait tout le bagage, donc pour l'éducation traditionnelle.
Je dis que Jean Monde l'a là vers les années 80, faut que nous travaillons pour que l'éducation soit centrée surtout sur les apprenants. C'est ainsi que Banque mondiale et plusieurs partenaires travaillent sérieusement pour que des pays aillent vers l'avant. Et en 1990, ils ont été réunis à Jomtien. Et en 2000, ils ont été réunis à Dakar. Ils ont travaillé au diplôme d'éducation pour l'autre allure. Puisque l'éducation là, au service de la population, au service du développement. Et comme la technique va la développer, pour l'éducation, on était déjà pas. Nous constatons que l'éducation en Haïti, est en retard par rapport à l'éducation dans ce monde-là et par rapport à l'éducation à travers le monde. C'est pour cette raison que le ministère de l'Éducation nationale fait plus d'efforts vous-même pour que de gagner tout d'abord un plan opérationnel. Le plan opérationnel, ça sorti dans un document qui est né, c'est un rapport lié, le rapport du GTEF, qui était fait vers les années 2010-2011, et l'autre document qui était fait avant 2007, il y a la stratégie nationale d'éducation pour tous, et avant, il y a le PNPF 2004. Donc Haïti toujours a élaboré des documents dans la perspective pour mettre au pas avec le développement éducation à travers le monde. Je dis en 2018, il est nécessaire pour que la formation soit faite aux gens. C'est dans la perspective ça que le ministère de l'Éducation nationale joue une bourrade du Canada et UNESCO pour que l'on élabore le document politique. Bon côté Pali, responsable direction formation et perfectionnement dans le ministère de l'Éducation nationale, directeur Carl Wood-Fleurant, montrer importance document ça a gagné dans politique formation ministère même gens pour toute institution cap fait intervention souterrain dans affaire formation à travers pays. Tout ça c'est pour vous dire même problème, il y a une chose, je veux pas fustiger les enseignants mais je veux regarder le système éducatif, le ministère qui régule, qui doit réguler tout ça, c'est au ministère de prendre les décisions et déjà c'est une bonne décision quand on dit on va recruter des gens qui ont leur bac, qui ont une formation en pédagogie, qui ont une formation en sciences de l'éducation pour le système. C'est bon. Au bagage, on te rend toute agressivité physique et verbale. On continue encore à fouetter nos élèves. C'est bizarre là. En 2018, on continue également à forcer nos enfants à étudier à l'aide du fouet et des manifestations fréquentes de comportements sociaux inadéquats, tout ça. Le système également, c'est bon, plusieurs curricula. On parle de curricula, c'est ce qui nous dit, ce qu'on doit enseigner, ce qu'on doit faire, comment évaluer, comment faire l'apprentissage, comment faire, etc. Quel programme on doit avoir. Donc, plusieurs curricula en expérimentation. C'est vrai, pour, au niveau du préscolaire, au niveau du préscolaire, ce n'est que maintenant le ministère est en train d'expérimenter un curricula. Je ne parle pas d'un nouveau curriculum pour le préscolaire. C'est maintenant que le ministère se dote d'un curriculum pour le préscolaire. Et notez bien, c'est en expérimentation à partir de janvier 2018. En expérimentation dans trois départements. Cela veut dire que c'était au niveau qui a fonctionné sans quoi. Pas de curriculum pour lui. Et n'importe qui est monitrice ou moniteur au niveau du préscolaire. Bah ouais. Et n'importe qui, on embauche n'importe qui. Mais est-ce qu'on peut parler de qualité? Dès la base, si depuis à la base, il n'y a pas une formation qui prend en charge tout ce qu'on doit faire avec les enfants. Participants, yo, pas rater occasion, poser questions, faire échange et puis manifester contentement yo dans sa document capoté dans l'amélioration qualité système éducatif haïtien. Objectif principal campagne vulgarisation ça qui déjà touché 8 départements géographiques pays a c'est permettre chaque acteur responsable à chaque institution qui a opéré dans question formation faire connaissance et puis pénétrer document yo pour comprendre démarche yo et stratégie qui pral développer ak nouvelle exigence ministère éducation nationale adopté dans domaine nan pour année kap vini yo pour kounye a ces départements Latibonite ak Nord-Ouest kap tan délégation rive sou yo pour direction formation ak perfectionnement boucler boucla.